chama there, yo kama Kishasa, Kishasa ya watu huko, Kishasa ya kambo yako ya nani, Kishasa umoni, Kishasa ngoba kama agaga ulali ulati ukena tombola uzibi lamba ya Pentagon ulati ukomi na Kishasa mbalamba kene nebo kontaka bakuwa ya badepite na so na yo musala na otu webagi ya kuchaba Rwanda na baposa kuza musala ya genu na mususu wana oso bijam maji sobi maji maji ya nini manje obanda yo simba kaba machete kuna na Kishasa ukei bakate leo kamua muke na shina rambo ndozo mwona ngobi boko sambo atoko kujua hebi mwogo kene mwona na barayamu kwa hivite ya ana mmesha mwana oze la waposke za la anazwa msala yozo ya na makabwa na tumba ha baso daba holi nga bitumbe sila po bako maofuta bango bien bino bozo ya na babitumba bozo kende sima barwande bope sabiso kanda soe kutungaye na zaagi fati ezaka kwa zana mtema malamu kamu kolobo osala babiloko na bino wana bombu mbala moko sata katra kite okeba nao msusu wa uchi watu sobi jambu enu azo ya logiba toto ya katanga jambu katanga ya watu yaka na katanga edika penda ose lao yu koma katanga kukubo maona nenye ya kani kani kukurongi ya konfani kukupareyo osa kana nga mkope Ibrahim nazana kwenti ya wana wape saka suje pape soko mmekina sinele pape kukato na kwele liyo wano osambo nanga teba oke panabino ka ndenge bo sala ba panabino wana na Congo bo ya na Kishasa bino bo komi ni sel mutazwa ki Kishasa eza Laurent Désiré Kabila bino bo kokata kala ndenge bo zo ya ba miyibi yo bande ko kata ba tumashete na Kishasa oke ikuna ha yo mususu ka ko bande ko sala ba dai ko kreze ba oru kuna na bani ba botolio kui na ondo lo bio ya o ma liberate liberate ya bana liberate ya mabunu na yo ya oru Bonjour Mwanamboka. Mwanamboka, Obengi Menzelea, Koko Obengi Mboka, la mieux placée, la Koko Ba Maïro de la République démocratique du Congo. Boni boni, santé politique, la République démocratique du Congo. Avant la Kotana, se présenter dans le Mwanamboka. Oui, oui, moi je m'appelle au nom de M. Didier Tchani. Je suis cadre de l'IDPS, premier vice-président fédéral à Kasumbalesa. Merci beaucoup Mwanamboka. Boni boni, santé politique, santé politique. Et le plus de questions pour nous, c'est actuellement. Oui, santé politique, toujours qu'il y a molo molo, parce que Omoni, toujours à Bamakambo, président Fachi, a vraiment souci en Boka, mais est-il que Bazo Bundisaye Mingi, alors toujours qu'il y a des malèmes, mais n'aime que Tokokoma, Makamonio Sekoussi, Zambazali. Mais quand vous dites que le président Fachi a combattu par rapport à quoi? Ah oui, merci beaucoup. Vous savez, nous sommes dans la guerre. D'abord, nos frères à l'Est, ils ont souffert de nous. Le président a dit qu'il y a peut-être 3 ans, il y a des bananes dans le monde. Il y a des bananes, mais aujourd'hui, quand il y a des bananes, il y a des foufous. Hey! Mais il fallait que nous soyons à Zouab. Alors, c'est un des problèmes de tous les gens. Le président a des difficultés. Parce que peut-être qu'il y a des bananes, mais le président a une bonne volonté à ça. Beaucoup de gens ont vraiment. Mais guerre des autres, ils ont fait à rétrograder mon pays. Guerre, Mme Boka, vous avez critiqué Joseph Kabila pendant son mandat. Joseph Kabila est incapable de finir la guerre de l'Est de notre pays, mais aujourd'hui vous avez aussi tombé dans le même piège. Vous êtes incapable de finir cette guerre-là, Mme Boka, président. Vraiment, je vais répondre à ça. Nayebike Kabila. Naye na kagame basaba tumuko.
Alors, quand Kabila a compris que Félix Mena travaille très bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait à Kendana Est à soutenir Batouane pour combattre le président Fatshi. Ce que l'on a dit, secrétaire général Bonabouté, a lobby bien que Moutouana Aza Simaraba Guerouane et Aza Kabila. Mais ça, c'est vrai. Ce que l'on a dit, l'économie n'a pas dit. Parti l'économie n'a pas dit. Les autres qui ont dit, la guerre est là. Alors, Guerouane, banane, 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 partenaire à Kakam. Numéro 1, partenaire Kagame, c'est ça Kabila. Mais vous, l'IDPS, il avait dit bien que Kagame, c'est son partenaire privilégié. Comment vous dites Kabila? Qu'est-ce que Kabila a à voir à ce problème? Oui, président Tshisekedi a bien dit, parce qu'il savait que peut-être Kagame, c'est un bon monsieur. Peut-être qu'il peut respecter sa parole. Mais il ne respecte pas sa parole. Alors celui-là, je vais le qualifier comment? C'est un bon monsieur. À la tête du Rwanda. Alors, comment voulez-vous que le président a dit que non, c'est un partenaire? Si vous respectez vos paroles, vous devenez automatiquement un partenaire. Mais si vous ne respectez pas, vous êtes un rebelle, non? Fatshi a raison. Le président a raison. Le président a raison. Oui. Vous dites que c'est le Kabila qui bloque le pays actuellement. Oui, c'est si lui. Le pays ne marche pas, c'est à cause de Kabila. Oui, c'est lui. Pendant deux mandats, deuxième mandat, c'est comme ça, premier mandat Kabila qui bloque, deuxième mandat Kabila qui bloque. Où est le déboulement que Félix Tshisekedi avait dit au peuple congolais qu'il va déboulonner le système Kabila? Quand le monsieur a compris que Fatshi a vraiment besoin qu'il y ait changement dans notre pays. Quel monsieur? C'est Kabila, non? Donc, alors, quand le monsieur a compris que, monsieur Kabila a compris que non, les choses, Félix a changé les choses, voulait changer ce système ici, déboulonner ce système. Le méchant a vite compris que non, il fallait les combattre. Aujourd'hui, nous avons mis des preuves. Il y a des cadres du peuple qui sont avec Nanga et les autres là, à l'est, en train de combattre. Ils sont là dans le M23. Le Canada, il est en non, la Fédération du Canada a démenti cela. C'est une fausse information, papa. Il ne faut pas seulement continuer à débobarder comme ça, ce n'est pas bien. Le monsieur du Canada, ce n'est pas un monsieur de l'IDPS, parce que la Fédération du Canada a démenti cette information. Voilà. Mais, merci, président. Quand vous dites que c'est le Kabila qui bloque, mais avant l'IDPS, Kabila, c'est honnête. Augustin Kabila, Kabila, c'est un homme honnête. Kabila, c'est un sincère. Mais aujourd'hui, Kabila est devenu mauvais. Papa, nous sommes en politique. Il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Quand vous commencez avec l'hypocrisie, là, on peut vous qualifier que vous êtes quand même un monsieur sérieux. Mais quand il y aura des signes qui montrent que vous ne respectez pas ce que vous avez respecté, là, on va vous dénoncer. Hein? On a dénoncé, il n'est pas un monsieur sérieux. On sait bien la vérité, mon frère. On ne peut pas cacher. Donc, on appelle les chats par son nom. Si vous êtes rebelle, on dit que vous êtes rebelle. C'est ça. Merci beaucoup, président. En tout cas, nous avons une matinée politique. Oyo, mon amour, qui c'est Kabuya, organisé Kim. Aïe, que malheur à notre pays, c'est Joseph Kabila. Alors, Joseph Kabila, il a quitté la République démocratique du Congo à Kantimini. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Parce que c'est. Il dépend partout au pouvoir, il dépend bien de vos autres jours. J'ai Mboka. Sécurité dans la Mboka, la Bible, cela veut dire. Vous êtes incapable d'avoir identifié celui que vous avez mis dans mon cas, dans mon cas, actuellement. Qu'est-ce que vous avez dit par là? Où est la DGM? Oui, je vais vous dire ceci. L'État, aujourd'hui, est dans l'administration. D'ailleurs, partout, vous êtes dans la frontière. Vous êtes dans la frontière. Souvent, à Soumbalès, on voit Kabila venir au Salaba tourner dans Yéouana. Avant qu'on était dans la frontière, à Kati, à côté à Zambie, il a un passeport diplomatique. Mais il peut traverser à tout moment. Déjà, on est au courant. Oui. Traverser, déjà, on est au courant. Mon cher. À Kassoumane, c'est qu'on a déjà Mazali. S'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Naïbisque, Nani, vous avez un passeport diplomatique. Est-ce qu'il y a un DG?
Après, les gars, la Pembe, parce que quand ils ont la porte, ils ont la militaire. Mais bateau, parce que la monnaie, ils ont la parole, Kabila, à nos mains. Mais. Et ça, l'administration, pourquoi le président a le pouvoir. Cela veut dire que tu as vu que tu as une influence sur le monde. Non, non, il a compris que l'avenir est noir pour lui. Ah, il devrait toujours fuir. C'est normal. C'est normal parce que au moment où il y a un moratoire, ils ont allé se quitter. Moratoire, ils ont un changement total et un moratoire. Pour qu'il y ait un moratoire, pour qu'il y ait vraiment dans ce pays où le président Fatia Sali. Moratoire, il faut être ma baba en taga pour prendre le bateau parce que ça la traîtrise dans mon cas. Parce que ma congolais va souffrir, mais bébé. Ah, tu n'as pas comme un niveau mon cas de colo en Afrique. Mais parce que bloqué, moi, pas un individu mon cas pour un intérêt personnel. On peut pas accepter. C'est ça, l'eau. Quand vous êtes en train de soutenir la moratoire, hein? Vous êtes en train de soutenir la moratoire. Mais oui, papa. N'a pas bandité, n'a pas malfraté. Je ne sais pas si vous avez un bon gazo. On doit cesser ça avec ces bêtises. Pour toi, la moratoire, comment Est-ce que tu as avancé? Nous, on a profité que Mobutu n'a pas fait ça et ça, ça et ça. C'était ça. Mais, je ne sais pas si Mobutu est à Salaki. Si on a dit Mobutu est à Salaki, nous ne sommes pas à Salaki. 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 Mais, Mobutu, nous ne sommes pas à attaquer et pour changer le côté de la totale. Voilà. Mais, merci beaucoup, Mbouka. Mais les gens disent que nous avons un stage dans le pouvoir. Parce que depuis qu'il s'est quitté au pouvoir, les choses en avance, ça ne marche pas sur le plan social. Cela veut dire que après pouvoir il y a IDP, après pouvoir il y a Tshisekedi. Qui sera l'avenir il y a IDPS. Vous allez donner des leçons à pouvoir Kabila, mais pour notre binôme à pouvoir, vous ne même pas quoi arriver que les Européens sont mis dans le Mboka, peuple congolais. D'abord, le premier quinquennat président a sali quelque chose. Le premier quinquennat, il y a bien. Parce que vous êtes congolais, il y a bien. Première chose, ils ont abandonné le Bassam. Deuxième chose, gratuité enseignement. Ils ont quitté, mais ils ont la constitution dans le monde. Ils ont salam. Armée, ils ont quitté. Pourquoi ils ont toujours freiné? C'est parce que le président a relevé l'armée. Ils ont déjà une armée. Si on a dit que c'est Jaloba, ils ont une armée. Mais ils ont quitté. Et pourquoi il faut qu'on dise que les présidents Fatia Sali, Namosusu, ils ont continué à faire ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. C'est ça. Nanga Yohana, comme président de la République, il y a Kota Kivukuna. Nanga. Qu'on est Nanga.
Est-ce que oh, peuple... Mais oui, il est devenu président. Je suis un peu plus de temps. Donc, il y a presque une année. Presque 4 ans, on peut faire. Oh, on peut commencer à attendre à ça. Là. Je dis que la guerre n'a pas tourné. Ils ont avancé. C'est-à-dire que Félix, il est capable de le faire. Nous sommes, il est capable de le faire. S'il était incapable, la guerre n'a pas été progressée. Le coup, les gens bloqués pour nous. C'est-à-dire que le président Félix n'a pas gagné. Il n'a pas été pour nous. Il n'a pas été. Oui, exact, deuxième mandat. Pour la exacte transition. Nandengeni, moi, Namboka. Papa, vous avez compté maintenant le mandat au moment où nous sommes en guerre. Oh, mais oui. Mais les Kabyles peuvent te compter maintenant dans la guerre, non? Papa, Kabyle égale Kagame. Oh. Kabyle égale Kagame. Quelqu'un qui a signé des accords, papa, s'il était réellement congolais, n'allait pas signer cela. S'il était vraiment un vrai Congolais, il n'allait pas signer ces bêtises de quoi, des accords. Vous avez projet de modifier la constitution? Ça, c'est le peuple qui décide. Hein. Si le peuple décide, on va changer. Oh, voilà tout ça. Mais je vous dis. Est-ce que la constitution actuellement est la constitution? Est-ce que changer la constitution est présent? Mais Kabila ne va pas changer le rapport à Nini. Parce que Kabila savait d'abord que lui n'est pas vraiment digne. Il a pris le pouvoir par du coup d'État, n'est-ce pas? Mais ça, c'est à partir des élections, mon frère. Quelqu'un qui est élu par le peuple. Voilà! Et c'est le peuple qui décide. Si on va changer la constitution, c'est tout. Nous, nous sommes là, la population est là, il va décider. La population, les militants de l'IDPS, c'est ça que nous avons. Pas les militants de l'IDPS. Les Congolais. Quel Congolais que vous êtes en train de parler? Mais papa, les Congolais c'est partout au Congo. Partout au Congo, dans toutes les provinces. Et si tout le monde accepte que non, on va changer la constitution pour sauver notre pays, on va changer. On va comprendre que c'est le troisième mandat. Pour moi, il faut qu'il forme 10 mandats. Yeah. Pour qu'il y ait changement dans notre pays. Changement à ma case en Mboko. Il fallait Moutouloko la fache. Azakamwana Nangaï. Mais si ok, il faut faire 10 mandats. Du mandat. Oui. Beaucoup. Président. Est-ce que vous mettez ce que vous entendez dire? Mais je vous dis. J'assume ce que je vous entendez dire. Donc, vous dites, votre cours, c'est de modifier la constitution. J'ai dit que si la population est limite et va changer, va changer en gros. Tout le monde va voir parce que la majorité, d'ailleurs, je vais vous dire que peut-être 90% va changer la constitution. Il y a des gens qui sont belligérants. Les constitutions sont bien. Ils ont pris ça par les minorités, les avantages. Les majorités ont souffert. Il faut changer le Coran. Fatih, si vous avez dit, Ngaï Didier Tchani, la lobby qu'il faut changer la constitution. Bien. Va changer en gros. Pour la population, il y a vraiment un changement écoute. Merci beaucoup, président Didier Tchani. Comment on va Kasumalesa actuellement? Ils ont tamé la nengue ni Mwanambuka. Ils ont mis au moins le candidat gouverneur. Parce que Bima, je parle de M. Abino. Comment ils ont mis la gestion à Kasumalesa actuellement? Gestion à Kasumalesa, parce que tout ça d'abord n'a pas été à Kanaoué, parce que Kamba Kasumalesa. Quand on a un changement, il faut écouter à Kasumalesa, va changer Batoué à Kalakuna. Les gens n'ont pas besoin de ça, bien. Donc,
chef de DGM Kuna, quand même Moutouane Azo Salamsala. Moni vraiment y a Azo Salamsala. Comme on a Sylvain Tambouika, y a Azo Salamsala vraiment. Mais et ça, parce que vis mon sous vraiment, pas zog ni au il fallait pas changer Batouane. La ligne tant à tant la combo na bango. Mais je vais d'abord me réserver. À un moment, je vais les réciter parce que Batouane Azo Salam bêtise. Autre tolérité. Quelle bêtise que vous pouvez dire? Vous savez, il y a un sabotage. Il y a un sabotage. Ceux qui ne connaissent pas le pouvoir, ou qui ne connaissent pas le pouvoir, répondent aux gens qui ont condimenté que tu as le pouvoir. Alors, prochainement, je vais vous demander de combo et service. Mais je vais vous demander pour la première partie. Oui. Merci beaucoup, président. Pour bon autant, il faut que vous donniez un mauvais acte, mon amour, pour pas maintenir. Mais quand vous avez pourquoi vous avez refusé? Il faut que vous donniez un mauvais acte. Et ça, c'est un service qui est en train de se faire. Pour nous saboter le pouvoir. Alors, le service, c'est un lobby. Tant que vous avez pratiqué déjà, parce que dans les jours à venir ici, nous avons un chef, un service. Un chef, un service. Nous avons un lobby. Nous avons déjà un lobby. Prochainement, nous avons une mission. Nous avons un lobby. Merci beaucoup pour l'attention parce que la fête, elle est bien morte pour retenir pour la République démocratique. Bon, pour l'attention, vraiment, nous avons dit que pour soutenir le chef de l'État, parce que na moni en lui changement ya makasi azana ba initiative moko ya bien o esengelito to za la pembeni na ye vraiment to soutenir ye po boko ye kende liposo to za besoin na changement to sala ki opposition parce que ngai na sala ki d'abord représentant IDPS na opposition mopimba na yamba ki papa Etienne na Kasumbalesa na yamba ki président Fachi na opposition nano na pouvoir voter na opposition na Kasumbalesa. Alors, na lobby d'abord ba ya Kasumbalesa na ba kongolo nyonso. Donc ça c'est ma mokonzi pour changement écota total. Wana na monique changement écota makasi parce que nzaka kotia ça parti chef de l'État. Et puis numéro na nga téléphone eza 099 71 490 56. Na pandeli yango 099 71 490 56. Merci beaucoup, président. Moi, Mbélia Souka, déboulonnement et Kendawapi. On est noir, déboulonnement. Mais ils ont salé à chaque fois. Ah! Mais oui! Batomosu, Mazoki Mani. Mazoki Mani, système, Mazoki Mani. Bien. Hein? Les réponses sont appelées parce que Batomosu, c'est-à-dire Mazoki Mani, système est changé. Les awaïa kalate est changé. Il fallait mon Kima. D'ailleurs, si vous avez des traîtres, vous avez des traîtres déjà. Si vous avez des moratoires, vous avez des. Voilà. Merci beaucoup, président. Je vous remercie de la vie. Je vous remercie de la téléphone. Par rapport au gouvernement, vous avez des amis. Vous avez des colonies. Vous avez des pouvoirs discrétionnels et des chefs de l'État. Et quoi, c'est la tasse 6 mois. Le problème, c'est que le président a dit que le président a dit que l'idéologie a changé beaucoup. Pourquoi tu as dit que le peut-être a infiltré pour bloquer le mandat au thé? Il n'a pas infiltré. Mais, papa, beaucoup de gens qui ont infiltré Ming. Ils ont infiltré Ming. Alors, il fallait pas tamiser. Il y a un grand tamis de l'histoire. Quand tu as dit que le président a dit que le président a dit que le président Fachi raison. Il fallait atamiser Nanou pour attirer à toi, disons la population et qu'on. Voilà. Yo, mes amis. Nous avons pressé Nani. Pressé Zani. Nous avons besoin de changement. Mais vous dites que vous avez besoin de changement. Mais vous avez besoin de bâtir à toi et puis vous avez besoin de coller là. Non. Merci beaucoup à ça, Tissan, à poser un mot Swahili. Je pense. Oui, oui. N'a piqué à Bantou. Congolais, bon, merci. D'abord, n'a piqué à Président Fachi.
Président Fatih Béton, na changement. Merci ça. À Satisana. C'est moi qui vous remercie.